Eh bien, le bonsoir. Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ASMR. Mais de l'ASMR sur du jeu de rôle. Bien le bonsoir, il est 21h bientôt, vendredi 28 janvier. J'espère que vous allez très bien. Troisième aventure de notre. Troisième soirée, pardon, de notre aventure jeu de rôle sur Roll20 avec Ash, Wadek, Cage, Thiago et notre MJ Stan. On va tout de suite se démuter pour discuter avec eux. Rendu compte quand on l'a fait, maintenant on a fait, j'ai fait ce choix là, voilà, on assume, Bonjour! hein. Ça fait bonjour, Bonjour, c'est bien parce que ça crée bonjour. des trucs marrants quand même. Mais T'es ça crée des enthousiaste trucs quoi. marrants, voilà, ça Ah, crée des ça a créé discussions. des trucs marrants, moi j'ai créé un perso cheaté mais j'arrive pas à taper alors. Oui, mais ça après, la vie. Hein. Oh, tu sais la vie. Donc, messieurs, vous étiez à Liège pour cette dernière aventure qui était les ombres de Mutak. Pour rappel, vous avez. Hop. Donc, réussi cette aventure, gagné quelques XP. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à la Oui. dernière aventure, des choses à. Previously on Donjon de Nahalbak. Donjon of the Nahalbak. Ou l'épopée des zigotos. Oui. Pam, pam, pam. L'épopée des Zigotos, c'est mieux. L'épopée des Non, bah il y avait zigotos. quoi? On avait captu, on avait trouvé quelqu'un qui kidnappait des enfants, c'est ça? Ouais, Oui. c'est ça. Strandberg avait tué le gardien et le mage s'était échappé, je crois. Et Voilà, puis le moi j'ai fait mage. des belles réussites critiques, il me semble, sur le gros vénère là. Donc par la suite, vous avez quand même été reconnu par la ville pour comment dire cette avoir retrouvé quand même les enfants de, je me souviens plus comment elle s'appelait cette dame, cette bonne naine. On peut l'appeler Micheline. Hein. C'était les enfants de Micheline. Donc elle vous a permis de rester plusieurs semaines, donc plusieurs semaines sur Miuse, ce qui vous a permis donc à certains de s'entraîner, à d'autres de faire plusieurs rencontres. Donc un par un, je vais passer un après vous et je vais vous donner les faits marquants des 2 dernières semaines à Mliège pour vous. Ensuite, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez. Et ensuite, il y aura peut-être des jets de dés pour que je vous accorde des trucs. Vous pouvez imaginer RP parlant quelque chose qui vous est arrivé sur ces 2 dernières semaines. Donc Didier, Oui, c'est moi. Didier de... Ferme ta gueule, Didier. Oui, c'est moi. Donc, c'est ça. Donc, tu as donc, lors de ta dernière aventure, obtenu un marteau assez spécial. Tout à fait. Donc, ce marteau, c'est le marteau... Le marteau à une main du rappel au calme. Voilà. Donc, ce marteau, en fait, appartient à une religion qui est la religion de la déesse Adati. Donc tu as rencontré quelqu'un en muet, genre en te baladant, qui t'a donné un grimoire en disant, bah écoutez, vous avez quand même au niveau de votre arme un marteau quand même assez spécial, c'est le marteau divin des prêtres Adati, qui vous Ouais. permet d'utiliser le pouvoir de cette prêtresse. Donc par contre, il a dit, par contre, il a discuté de quelques minutes avec toi, il a bien vu que tu n'étais pas une lumière. Donc il Ouais, s'est dit, bon, ça, c'est pas nouveau. le souci c'est que je peux pas le prendre comme élève. Donc la seule chose qu'il t'a dit, il t'a filé un bouquin, il t'a dit, bon, si un jour, si vous avez ce marteau, c'est pas pour rien. Peut-être qu'un jour la prêtresse vous donnera la possibilité de lire ce bouquin. Ou peut-être que vous trouverez quelqu'un qui vous expliquera ce qu'il y a dedans. Mais prenez ça peut être intéressant. En tout cas, sachez que avec le marteau que vous avez en votre possession, vous êtes en capacité, si vous savez faire les bonnes incantations, d'utiliser le pouvoir de la prêtresse Adati. Ok. T'en sais pas plus, tu sais pas ce qu'elle fait cette prêtresse, tu sais pas de quelle, voilà, la personne part. Ça me permet une intervention. Ouais. Cette personne n'était pas fut-fut parce elle lui a fallu plusieurs minutes pour comprendre que Didier n'était pas fut-fut. Ouais, Hein, je pense que lui non plus n'était pas très fut-fut, voilà, ah, c'est tout ce que je peut-être, veux dire. oui. Peut-être. Donc voilà un peu les faits marquants pour toi, Ok. Barry. Ok, est-ce que du coup je peux le. Ah bah oui, je l'avais déjà marqué avec le grimoire Adati. Et que je ne pouvais pas le lire. Ouais. Ok. Je pensais que fallait que je le rajoute, mais c'était déjà fait. Très bien. Donc avec toutes les gloires et honneurs que tu as reçus, plus le fait d'avoir quand même rencontré des chouettes compagnons, tu as réussi aussi à passer niveau 2. Ouais. Trop bien. Du coup, je remets mon XP à zéro. Non.
Parce que tu vas voir que tu vas devoir gagner plus d'XP pour le niveau 3. Ah oui! Donc garde ton montant d'XP. Salut Balou! Du coup, Allez, je je suis toujours niveau 2 avec 90 d'XP ou tu me fais passer à 100 Non, d'XP? tu baisses à 100 du coup d'XP. Ok. Je l'ai fait passer là, ok. Paf. Ah bah merci. Quand je vous dis vous passez niveau 2, vous passez à 100 et vous verrez qu'il faudra aller à 320 XP pour. Ouais, c'est ça. Ok. H! Est-ce Du que coup, toi, t'es ça aussi revenu. implique des Oui. bonus en termes de caractéristiques physiques ou quoi que ce soit? Ou genre T'as de une l'intelligence caractéristique. ou un truc comme ça en plus? Tu as une caractéristique, si tu peux me lancer pour savoir si c'est sur ce Bien sûr. niveau-là. Un D20, s'il te plaît. Bien sûr, j'aime bien lancer des D20. Et ça commence les dés. Ouais. Oh. Donc, tu as la possibilité d'augmenter une de tes caractéristiques de plus 1. Ah. J'ai envie de monter l'adresse.